Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes sur Vélorando, la chaîne de l'évasion, avec une intro un petit peu particulière puisqu'on n'est pas tout à fait sur le lieu de notre randonnée qui se situe à 3-4 km de cette chapelle, mais on voulait vous la montrer. Nous sommes dans le Tarn, coincé entre les monts d'Alban et les monts de Lacône pour une randonnée qu'on a appelée la randonnée de Reissac. Voilà, on est donc dans une partie du Tarn assez méconnue, même des Tarnais eux-mêmes, puisque c'est tout à fait agricole. Il y a juste quelques fermes par-ci par-là, et puis donc ce fameux village de Reissac qu'on verra tout à l'heure. On se situe sur le lieu-dit de la Vaute. Et là, ça commence mal. Ça commence mal au niveau de la météo. On a des espoirs d'amélioration, évidemment, puisqu'il n'est que 9h du matin, et c'est des nuages bas qui doivent s'effilocher au fil du temps. Et donc là, on va se diriger en voiture à 4 km au-dessus de l'endroit où on se trouve pour débuter, proprement dit, cette randonnée. Bon, eh bien, on est parti pour la rando de Reissac. Et on l'avait vu ce matin, ça s'annonçait mal, avec un brouillard qui persiste. Alors aujourd'hui, on n'a pas été gâté par la météo. Ça fait que la rando, eh bien, il a fallu la modifier complètement. C'est devenu une micro-randonnée de 13 km. On va tomber à combien, hein? À 5. En tout cas, on s'en va vers le Roc Saint-Martin. Ouais, je sais pas, on va essayer d'aller en lisière de ce champ. Et puis on va remonter là, ce bosquet sur main droite. Alors là, il nous a fait défaut, mais il arrive, le soleil. Un peu en retard, hein, sur notre planning. Voilà, la croix du Roc Saint-Martin. Alors elle n'est pas gaillarde, cette croix. C'est la croix en bois, là, hein, l'impression. Ça ne s'élève pas très très haut quand même par rapport au champ environnant, mais peut-être que la vue est quand même intéressante là-haut. Ouais, surtout que là, le soleil commence à bien sortir, là, ça fait plaisir.
viens de vous montrer le roc Saint-Martin. Ça se trouve à quelques encablures du village de Reissac, qu'on n'aura pas vu dans la vidéo, quasiment pas, puisqu'on a complètement modifié le parcours suite à cette météo assez mauvaise qui ne se dégage que qu'en tout début d'après-midi. Bon, ben là, on va vous montrer où c'est qu'on aurait dû randonner. On aurait dû arriver de la droite de ce vallon là, un endroit où on a beaucoup de sapins là, cette butte là. On aurait dû l'allonger à sa base pour arriver vers les maisons tout à fait en bas. Et là, on a été contraint donc de raccourcir notre parcours. On sera passé donc d'environ quoi, les 12,5 km à 6 km maximum. Mais on va quand même continuer un petit peu à vous montrer ce coin bien perdu du Tarn. Alors ça fait partie des qualités du randonneur, qu'un randonneur doit avoir, c'est de savoir s'adapter. S'adapter au terrain et parfois aussi s'adapter au circuit qu'il avait prévu. Allez, on va se diriger vers ce vallon. À l'origine, on devait arriver en sens inverse ici. Allez, il y a ta quatrelle là, non? Non, même pas. Qu'est-ce que c'est, cet angèle là? Qui doit être garé là depuis 60 ans et des poussières, là, vu l'aspect de la carrosserie. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'était ça. Si vous connaissez la marque, n'hésitez pas. Une restauration là, peut-être? Ouais, je crois pas. Il manque des pièces là. Il manque des pièces, il manque. Il y a même le compteur quand même. Ouf! Qu'est-ce que c'est qu'on voit? Allez, on continue la descente pour aller chercher notre curiosité. Ça sera de la ruine. Hein. On l'aperçoit plus ou moins d'ici déjà. Ne vous attendez pas à un palais. Hein. Allez, on a rejoint une route qu'on connaît bien, puisqu'on y passe de temps en temps en vélo. Mais on ne va pas tarder à la quitter pour aller se diriger vers notre curiosité, dont je vous parle depuis quelques instants. Elle doit être sur main droite et il me semble que je l'aperçois là. Et voilà, on va plonger encore, on continue. On continue de perdre de l'altitude pour rejoindre un endroit qui s'appelle le donjon. On peut le trouver comme ça sur la carte IGN. C'est ce qui a attiré mon attention. Alors s'il se faut, il n'y a rien du tout à voir, il y a quatre pierres. Mais bon, on y va pour vous spécialement. Allez, on va remouiller le maillot pour vous. Hein. Ben ouais, là, j'ai pas pensé au sécateur là. Je sais pas pourquoi. J'ai cru que j'allais m'en approcher tranquillou là, de cette vieille baraque là, mais ce sera pas si facile que ça. Bon, il y a quand même un chemin à peu près faisable. Bon, vous avez compris, vous êtes bien sur vélo rando parce que des gens qui défrichent des bouts de sentiers avec des ronces là comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Juste pour venir voir une ruine en plus. Et là, c'est vraiment de la ruine hein, qu'on va voir. Il n'y a plus grand chose qui tienne debout. Hop, 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 hop. Il manque de tomber dans un trou là. C'est bon, ça passe. Voilà. Ben ouais. C'était des tuiles. Hein. Non, mais pas des tuiles, c'était de l'ardoise plutôt que ce que je raconte. Qu'il y avait. Le toit s'est cassé la gueule il y a 60 ans à peu près. Là, on remarque la longueur du bâtiment, hein, quand même, qui était assez vaste. Hein. Une bonne vingtaine de mètres sans problème. Hein. Et encore, il y avait d'autres dépendances, là, un petit peu plus loin, là où je me trouve actuellement. Là, il y en a qui tente de me rejoindre. Il est en train de faire le chemin. Et là, une fois de plus, il y a tout qui part en ruine. Il me reste un petit bout à explorer encore, là, que j'ai pas vu. On dirait qu'on va sur un toit pour aller accéder à l'autre côté de la maison.
Hop, hop, hop. Ça glisse de partout. Il faut bien s'accrocher là. Il y a encore une baraque ici, de ce côté. Ça continue encore un peu. Le fameux donjon vu dans l'autre sens, vu de l'autre côté, il est là. Bon, on continue cette sortie un petit peu particulière, vous l'avez compris, j'espère que vous avez quand même aimé cette ruine et ce survol de cette ruine. Vous êtes sur Vélo Rando, la chaîne de l'évasion. Merci de nous rejoindre sur Instagram, de partager nos vidéos, de les liker, de les conseiller à des amis. Et puis si vous voulez faire des dons, ça se passe sur Tipeee ou sur Litchi, ça c'est dans la description sous la vidéo. Merci. Vous l'avez remarqué juste en arrivant à côté de ce donjon, ce lieu dit donjon, il y avait une croix qui domine la vallée du Dadou. Bon, ben tout ce qu'on a descendu maintenant, il faut le remonter. Alors comme cette vidéo sera un petit peu courte, vous l'avez compris, elle a été amputée de quasiment facilement la moitié de son parcours, et bien on va vous garder une petite surprise pour la fin, qui n'était pas forcément prévue, mais qu'on va rajouter. Allez, bien on va chercher la voiture. Il se trouve tout au-dessus de nous là.
Et puis donc on va se diriger vers la petite surprise finale qui n'était pas prévue. On a même pas 4 km à faire. Et bien donc la voici, cette partie qui n'était pas prévue, qui s'est rajoutée en fin de rando, puisqu'on n'était pas très loin de cette rando à moitié avortée, mais qui a quand même eu lieu. Mais là on s'approche d'un château très connu dans la région. Je ne vais pas vous le décrire pendant des heures, je vous laisserai des liens en commentaire pour aller en savoir plus sur ce château de Grandval, château du 15e siècle. Voilà, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce château il a été incendié par les Allemands en 1944. Et puis après, il a tout simplement été inondé par un barrage qui a été construit en 1956, c'est le barrage de Razis. Et aujourd'hui, il a plus ou moins les pieds dans l'eau. Alors là, actuellement, on est au mois de décembre. Et il n'y a pas beaucoup d'eau justement dans le secteur, donc on va en profiter pour aller voir ses fondations d'un peu plus près. Et puis après, on vous amènera autour du château dans les airs pour aller le contempler d'un peu plus haut. Voilà, je crois que ça appartenait à la famille Paulin, hein, c'est ça, hein. Ah, c'était un beau château, ouais.
Eh bien voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo quelque peu décousue par rapport à ce qu'on a l'habitude de vous présenter. Mais bon, il y avait la météo qui n'était pas de la partie. On s'en est mieux tiré sur la fin, donc on espère vous revoir très prochainement sur Vélorando. Pensez à vous abonner, à liker nos vidéos, bien entendu. Si vous voulez faire des dons, ça se passe sur Tipeee ou sur Litchi. On se donne rendez-vous très prochainement avec Lionel. À très bientôt. Salut. Allez. Ciao. Belle randonnée.